Bonjour, aujourd'hui on est à la plage pour préparer la coupe de Noël et on va bien s'amuser. Alors tous les Genevois connaissent la coupe de Noël, pour ceux qui ne sont pas d'ici, la coupe de Noël est une course de natation qui se déroule juste un peu avant Noël dans le lac Léman, dans une eau qui est généralement entre 3 et 10 degrés, donc assez froid. Il faudra parcourir 150 mètres. Maintenant on est en octobre, l'eau n'est pas encore très très froide, mais c'est le moment de commencer pour s'habituer progressivement, semaine après semaine, jusqu'à des eaux très très froides. Alors, premier entraînement aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment je fais ça. Tout d'abord, on va voir la température de l'eau. Alors, quelle est la température du lac aujourd'hui? On va voir ça. Bon, environ 14 degrés, 14-15 degrés, ouais, pas trop froid, bonne température pour débuter, ça va me préparer pour les températures plus basses. Alors avant d'entrer dans l'eau pour bien chauffer le corps, je vais faire quelques pompes et dès que je me sentirai chaud, hop, j'irai dans l'eau. Encore quelques squats. Ça va, Dimitri ? Maintenant je vais faire le grimpeur de montagne. Maintenant tu vas faire quoi? Voilà, c'est bon, maintenant j'ai bien chaud, je vais aller dans l'eau. Ah bah, ça pique bien la peau, mais c'est pas trop froid, ça va encore. Un bon début, je pense que ça va rapidement refroidir maintenant les prochaines semaines. C'était bien de commencer aujourd'hui avec du soleil et une eau pas trop froide. Et me voilà prêt pour un des derniers entraînements avant la coupe de Noël. Alors la température a bien baissé, il fait 2 degrés l'air. On va vérifier la température de l'eau, mais selon Internet, environ 7 degrés.
Avant de regarder les courses Élite Homme et Élite Femme, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés à la chaîne et demander aux autres de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications. Comme ça, vous ne louperez pas les prochaines aventures et les prochains défis sportifs que j'ai prévus en 2022. Alors, un petit feedback de ma course. C'est la deuxième fois que je participais à cette course en eau froide. Cette fois, c'était plus dur que la première fois. D'une part, l'eau était plus froide. Je m'étais moins entraîné. J'étais un peu plus sec. Le gras, ça protège du froid. Je pense que je vais la refaire. Je sais pas si ce sera l'année prochaine. Mais c'est une super ambiance. C'est un grand défi. Et on se sent vraiment mieux dans son corps, mieux dans sa tête. Je vous ferai une petite vidéo exprès sur la nage en eau froide en 2022. Alors, place à la course.